Le tribunal des bannis commence. 67 pages. Je commence. J'ai mis la dernière. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Vous pouvez voter avec des c'est safe ou des c'est pas safe. Tu me trouves bonne? Tu veux baiser un juge? Messieurs, nous allons donc commencer par Cadio du 62. Qui nous écrit? On peut même plus dire qu'on est fort à la bagarre ici. Ok. Alors, il commence à nous dire ping, 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 ping. Pourquoi tout de suite, dès que c'est un français, c'est un streamac? Vous forcez avec les streamac. Dès que c'est un FR, ça streamac nimp. Mais non, il était juste meilleur. Donc en gros, le mec est en train de défendre les streamhackers en disant qu'ils sont meilleurs, etc. Sagzi, c'est pas le mec qui cheat. TikTok niveau cassos, c'est dur à battre. Bah, tu viens d'où toi, mon grand? Je suis nul à chier, mais je te déchire la bagarre. Messieurs, que l'on bannisse cette personne. Évidemment, on rejette. Tu n'es que déchet. Sans S. La décision a été dure à prendre, mais je l'ai prise, chat. Une bonne chose de faite! Alors, couleur trop saturée. Vive YouTube! Pauvre merde. J'aimerais le voir brûler vivant et l'entendre crier. Puis, je le découpe doucement. Vous, les modos, vous êtes ces putes. On a une photo. Moi, je trouve ça pas safe, mais j'attends de voir s'il y a quelqu'un qui va filer 100 balles pour libérer celui-là. Ou même vous, vous avez peur, je suis sûr. Il est violent et c'est un débile. Vous avez raison les gars, nous on est contre la violence. On veut juste le percuter en bagnole le mec. Alors du coup je suis en plein tribunal des bannis sur Twitch. Et on est tombé face à une personne qui m'a écrit pauvre merde, qui s'est fait bannir par un modérateur Tatanus qu'on remercie. Et en demande d'annulation, il a mis quelque chose. Et vraiment je me tâte, j'ai besoin de vous. Alors la phrase c'est: j'aimerais le voir brûler vivant et l'entendre crier. Puis je le découpe doucement. Vous les modos, vous êtes ces putes. Alors, on stat. On est encore en pourparlers là. Je comprends. Est-ce que tu peux le reban? Mec, rejeter. Ah, tout de suite. Rejeter, paf! À jamais. À jamais. Merci. Bravo. Et continue comme ça. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Monsieur, vous êtes un très, 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 très bon juge. 250 balles! À juger! Prochain qui s'approche, lui latte le genou avec ça. Salut, je trouve qu'il a bien changé, Chaud. Il est plus aussi drôle qu'avant. Il s'est amerci. C'est vrai? Et franchement, je me régale à regarder ses streams. Il faut avouer qu'il a un niveau exceptionnel. Il a le succès qu'il mérite. J'espère qu'un jour, je serai un ban de la chaîne. Mais je l'ai un ban? Il a dit que j'avais maigri. Merci. Je suis content que tu l'aies remarqué. Bisous. J'ai été influencé, chat! Qui à 11h30 écrit l'accent russe, il parle anglais, il me fera toujours. 11h31. Pourquoi accentuer les R? 11h32, 11h34, l'écho. On a un viewer très actif, mais bon, très mignon. T'es malade, oui, des petits cœurs. T'as pas tort, effectivement. Le karma. Show a banni Elliot. Oh, non. Une bavure. Bavure policière. C'est comme ça qu'on appelle ça. Salut, Show. Ou un défaut de je suis Show. Et sur la chaîne, je pense que ma sanction peut être levée car j'ai dit le mot mauvais moment. Il est vrai que j'ai mérité sans doute un ban, c'est bien vrai. Mais je pense que je veux reparticiper au chat. Oh les gars, on est sur une bavure policière. Mais si vous voulez 100 euros, on le laisse banni ce petit chien. Personne à 3, personne à 2, à 1. Sanction annulée. Vol papillon. Du coup, alors je suis désolé, c'est un fanatique de l'OM. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que cette personne soit diminuée? Je ne sais pas. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Est-ce que les supporters PSG sont plus malins que les supporters de l'OM? Vice-versa, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que celui-ci... C'était le roi des cons. Bref, il tape boutique 5 fois, sans voir de résultat en l'espace de 5 minutes. Puis, il me suggère de mettre un doigt dans le cul. Puis de me mettre un doigt dans le cul, puis dans le nez. Puis de le remettre dans le cul, puis redans le cul. Tatanus l'a banni 86 000 secondes. Et après, il a dû lire l'historique et se dire que ce mec était vraiment con, tu vois. Les gars, je pense que on va le laisser au streamer Fortnite, ce mec-là. On est tous d'accord là-dessus? Essaye de te mettre... un doigt. Dans. Allez, on laissera deviner la suite. Victor qui nous dit GG, Victor qui dit go. Très fort. Mich, arrête de nous exciter. Micheline, demi-molle, obligé de rester assis. Oh non. Qu'est-ce que t'as fait?
Pourquoi t'as fait ça? T'excites les vieux verts, Micheline? T'as excité Victos? C'est qui Victos là? T'as honte, hein? Bon ben bah, les gars, lui c'est un animal. Les gars, s'il vous plaît. Mais c'est le genre de mec dans le RER, il va se branler et s'essuyer sur ta jupe. Ça veut dire que si, genre à l'époque, on se serait pas connu, je me serais retrouvé dans le bus à côté de toi, je me serais essuyé le chip sur ton genou en te disant s'il te plaît, ça serait passé. Ouais, bah c'était gentil en vrai. Oh vas-y, bah, on peut annuler le bannissement. Cap dag. T'es nul. Chou la banni. On a rien perdu, on est d'accord. Avec le boubou, le gameplay est dégueulasse. En plus, avec Para, burk. Je me suis longtemps remis en question et je pense toujours que ton gameplay boubou Para est ignoble. Vous allez me dire qu'il peut jouer avec ce qu'il veut, mais sans mentir, jouer contre des mecs boubou Para, ça doit de la gerbe. Pourquoi? Regardez. Un gameplay qui te déplaît. Tu fais des rimes? N'as-tu rien d'autre à faire de ta vie? Elle est si triste. Au revoir. Tu penses quoi de Sky Rose? Pourquoi tu lâches et tu reprends tes armes à chaque fois? La fameuse question, pourquoi jouer en VPN? Je ne comprends pas. À 21h02, il a pas dû avoir sa réponse. 21h03, je te pisse au cul. Tu penses que je lui ai répondu quelque chose d'horrible? Ah oui, t'as dû lui dire un truc affreux. Alors, je te demande à quoi sert de jouer avec un PN? Je comprends pas, vraie question. Et tu réponds... Il faut être débile et avoir de la pisse dans le cerveau pour pas savoir. C'est pas évident parce que la question est débile, tu vois. Parce qu'on utilise un VPN, ça fait 2 ans que je le dis que c'est pour éviter les stream hacks. C'est vrai que je lui ai dit qu'il avait de la pisse dans le cerveau. Après, un cerveau qui nage dans de la pisse, c'est pas forcément mauvais. C'est-à-dire qu'il est con, tu vois, mais c'est pas méchant. Ah, les gars, je vois pas mal de ses safes. Il a 33 ans. Il a fait la démarche, les gars, d'écrire. Et on a Wiwi qui envoie 50€. C'est libéré, mec! C'est libéré direct. Le Lord, tu les as quand même fumés. Ça me fait plaisir, ça. Pourquoi il filme ses mains? Oh, je sais qui l'a banni. J'ai posé une question. Soit tu réponds, soit tu fermes ta gueule. Arrête de faire le malin devant ton ordi. Dans la rue, t'es une victime, espèce de clochard. Est-ce que ce mec est taré? Chat, safe ou pas safe? Il est fou. Le mec est fou. Genre je m'attendais à ce qu'ils soient un peu pas contents, tu vois. Mais je m'attendais pas à ce qu'il se passe ça, tu vois. Débanne-le, c'est une pépite. Ah les gars, c'est vous qui décidez, hein. Bon, j'avoue, j'ai abusé. Je devais être tendu, désolé Socade. Bon, en tout cas, vas-y, hey, les gars, on le libère, il est trop mignon. En plus, il s'excuse auprès de Socade. J'étais tendu, ça nous arrive à tous, les mauvaises journées où on devient un peu fou. Ça suffit. Silence dans les tribunaux. Silence. Merde. Assistance technique. Quoi? Oh là là, sway. Oh là là, you, bi, wow, ah, je prends des extas. Pourquoi il s'est fait ban, ce pauvre gars? Mais je comprends même pas, c'est juste un taré. Je prends des acides. Bah vas-y, annulez le bannissement. Allez, vis ta meilleure vie, mon grand, maintenant. Allez, c'est mon dernier, celui-là, les gars. Ok, tu l'as jeté à la poubelle du con. On aurait dit un truc sur mon écran. Il y en a avec la voiture et un départ. Le trophy, grosse merde. Allez, Colin a banni Jason. C'était pour troll, rien de méchant ou de haineux. C'est bon, les gars. Il s'est fait trahir par autre chose. On sait quoi, tous les 10 000, on sait ce qu'il a trahi. On peut pas forcément le dire, mais vous le savez. Mec, il a pas cassé. Shoot-le. Ouais. Gros, il y a des combats illégaux vers le fond. Il y a des pinatas qui se font défoncer là. Mais c'est n'importe quoi, c'est pire que le Bronx, le Z.